Cette cinquième édition du Festival des minorités ethniques a servi de cadre de réflexion sur quelques thématiques pour la survie du tourisme et de la culture. La première réflexion a porté sur les opportunités de l'acte 3 de la décentralisation sur la culture. Les collectivités locales constituent la porte d'entrée en matière de développement. Parce que ce sont des démembrements de l'État investis de missions pour promouvoir le développement dans leur territoire. En réalité, les collectivités locales, c'est l'État en miniature. Donc, toutes les politiques et plans du niveau national, élaborés au niveau national, trouvent leur champ d'application au niveau des collectivités territoriales, donc au niveau des territoires gouvernés par les collectivités territoriales. Dans ce cadre, un certain nombre de compétences spécifiques ont été transférées aux collectivités locales, dont la culture. Mais il faut se dire qu'avant les compétences spécifiques, il y a la compétence générale. Le fait que les collectivités locales interviennent dans tous les domaines d'activité. C'est pourquoi j'ai dit que c'est l'État en miniature. Maintenant, si on revient au niveau de la compétence culture, en fonction de l'ordre de collectivité territoriale, il y a un certain nombre de domaines qui leur est transféré. Donc, c'est pour ce qui concerne les communes, comme c'est d'elles dont on parle, elles ont la compétence de promouvoir la culture dans sa globalité, soit en organisant des journées culturelles ou des manifestations culturelles, ou créer par exemple un agenda culturel, ou des centres de lecture, tout ce qui fait avancer la culture dans leur territoire. Les collectivités locales doivent s'investir justement à valoriser donc cela. Et ils doivent aussi faire des investigations pour voir les sites et vestiges, par exemple, historiques ou préhistoriques, ou collecter des informations à travers les contes, donc les traditions et autres, donc le parc du culture, en quelque sorte vraiment promouvoir la culture d'une manière générale dans leur territoire. Le conseil départemental de Kédougou a mis à profit cette rencontre pour partager ses réalisations, prenant en compte la compétence culture à travers l'élaboration du schéma de développement de la culture, un processus inclusif multi-acteurs. L'axe 1, donc, qui est fondamental, le soubassement, c'est la culture. Tout est parti de la culture. Nous avons une richesse culturelle extraordinaire. Nous avons une diversité culturelle qui fait de nous, du territoire Bassari, un patrimoine mondial. Donc, il fallait exploiter ce potentiel-là. Donc, c'est la culture. Nous avons voulu inclure tous, donc les maires, les personnes ressources. Nous sommes allés vers les acteurs culturels dans toutes les communes du département. Hein, nous avons recruté un référent culturel, c'est-à-dire qui est chargé d'orienter et d'exécuter la politique culturelle de développement, qui est allé vers les communes, vers les acteurs culturels pour leur expliquer, pour leur faire comprendre le contenu de ce document de schéma de développement culturel en prenant la culture comme levier de développement économique. Le secteur de la culture doit être soutenu et accompagné par les élus locaux. Dimboli a donné un bel exemple. La culture étant une compétence transférée, je pense que chaque maire a l'obligation de relever le défi du développement de la culture dans sa localité. Il est utile de miser sur le développement de la culture. En ce sens, organiser les acteurs culturels dans nos communes, afin qu'ils puissent encore s'épanouir dans cette culture, faire vivre ou léguer vraiment la culture à la jeune génération. On ne doit pas oublier la culture. Nous sommes engagés aujourd'hui à accompagner les acteurs culturels dans nos communes, en construisant d'abord leur lieu d'épanouissement. Si je prends l'exemple au niveau de ma commune, vous avez vu, j'ai construit la maison des jeunes et de la culture. C'est vrai, c'est un lieu de rencontre pour les jeunes, mais c'est un lieu aussi vraiment d'essence culturelle. Les acteurs culturels peuvent être dans ce site pour vraiment faire valoir leur talent. Donc c'est intéressant. La culture doit être vraiment une priorité pour les collectivités territoriales.
La deuxième réflexion sur les opportunités et potentialités du tourisme de la région de Kédougou témoigne des nombreux sites touristiques de cette région avec ses minorités ethniques. Nous avons constaté également aussi que la région de Kédougou regorge beaucoup de potentialités sur le plan touristique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dissocier la culture du développement et que la culture peut être une opportunité de développement pour tout un chacun. Puisse initier une réflexion sur ce lien entre culture et développement, culture et tourisme. Et à mon humble avis, ce festival doit être le lien entre la culture et le tourisme. Le tourisme est indissociable de la culture. La synergie entre les acteurs intervenant dans ces deux secteurs pourrait pourtant être un atout pour le développement local. Le tourisme et la culture sont liés. C'est deux secteurs qui ont toujours été liés. Le tourisme ne peut pas aller sans la culture. La culture ne peut pas aller sans le tourisme. La culture est là depuis de tout temps. Mais le tourisme aujourd'hui est là pour développer. Et pour développer nos secteurs, nous appuyons sur d'autres secteurs, dont l'un des plus importants aujourd'hui est la culture. C'est la culture qui enrichit en tout cas nos hôtes qui viennent à travers le monde pour venir dans notre belle région. Pour développer ces deux secteurs, ça demande beaucoup de travail. Il faut qu'il y ait une fédération, il faut qu'il y ait une union concrète qui va réfléchir par rapport à ces deux secteurs. Je mets l'accent sur l'organisation, je mets l'accent sur l'engagement de chacun, je mets l'accent sur la volonté de chacun à vouloir partager, à vouloir unir les gens autour de l'essentiel. Le ministère de tutelle et l'association des minorités ethniques en sont conscients. J'ai la conviction est largement partagée, je crois, que si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons faire de nos cultures l'un des leviers du développement pour atteindre les objectifs du développement durable. Ce n'est pas pour rien si le ministère de la Culture, dans l'ensemble de ses directions, direction du patrimoine et direction des arts, ont voulu marquer l'importance de cet événement en étant les parrains de ce festival. Je voudrais, à ce propos, inviter les communautés, les autorités locales et administratives, les organisations non gouvernementales et toutes les personnes ici présentes à relever ce défi. Et ce qu'il faut maintenant, c'est de consolider les liens, surtout au niveau local, au niveau régional. Il faudrait que le tourisme soit informé de ce qui se passe au niveau de la culture, pour pouvoir capitaliser cela, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir être présent. Parce que quand vous faites un festival de ce genre, vous ne le faites pas pour les autochtones, vous le faites particulièrement pour les étrangers. Cette réflexion sur les opportunités et potentialités du tourisme de la région de Kédougou s'est déroulée en présence de quelques touristes qui ont exprimé leurs attentes. Il nous a manqué un peu d'informations pour préparer le voyage, en particulier en matière de possibilités de trek, de randonnée dans les environs, puisqu'il semble qu'il y ait beaucoup de possibilités et il serait intéressant d'avoir la connaissance au travers de sites web, des différents circuits qu'il est possible de faire, soit seul, soit accompagné, demi-journée à plusieurs jours. La connaissance, a priori, permettrait d'organiser son séjour un peu plus facilement. La deuxième remarque, c'est concernant notre impact sur la réalité culturelle. Bien sûr, nous sommes intéressés pour découvrir les façons de vivre et les différentes ethnies. On voit se développer beaucoup l'infrastructure routière avec tout le côté positif que cela apporte. Et on s'interroge sur le risque de dilution de la culture traditionnelle. On aimerait se rassurer, nous, touristes, sur le fait que nous n'ayons pas un impact négatif sur la réalité culturelle de ces régions très intéressantes.
des efforts doivent être consentis pour une meilleure préservation des différents sites convoités par les touristes dans la région de Kédougou. Nous sommes arrivés à Dindéfélo hier. Nous avons visité un peu le village et nous sommes allés à la cascade Dindéfélo. Nous avons une belle cascade, mais nous avons constaté surtout que tout le long du parcours, le sentier, il y a plein de déchets tout au long du sentier. Et je crois que ce serait important de sensibiliser aussi la communauté villageoise à la propreté des lieux. Et donc, par contre, il y a un potentiel énorme dans cette région qui a la possibilité de développer le tourisme, surtout le tourisme culturel, parce qu'il y a aussi le tourisme de masse qui, là, demande beaucoup d'infrastructures et beaucoup de déchets potentiels. Les organisateurs ont pris conscience de quelques difficultés liées à la mobilisation des communautés pendant ces 3 jours de festival des minorités ethniques. Le festival était moins peuplé que les autres, parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Et je ne sais pas le pourquoi. Les autres festivals, quand je venais avec ma troupe, je trouvais ici au monde fou. Hier et aujourd'hui, il y a moins de monde. L'organisation de ce festival n'était pas du tout à jour. Elle a été formidable, en tout cas pour cette année, pour la 5e édition. Et nous pensons que les années à venir, en tout cas, ça sera beaucoup mieux. Nous avons assisté à un festival des minorités ethniques du pays Basari qui a montré pourquoi ce pays Basari a été érigé en patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons vu des facettes culturelles très intéressantes, très importantes. Et on aurait souhaité que des choses de ce genre-là puissent être montrées un peu partout dans le monde. Parce que c'est cela qui va vraiment contribuer à renforcer la visibilité de notre région sur le plan du tourisme. Le contexte dans lequel l'AM a voulu organiser le festival était très difficile. L'AM a eu un temps de latence, c'est-à-dire n'a pas pu organiser régulièrement. Du coup, ceux qui avaient l'élan de pouvoir appuyer le festival s'étaient finalement retirés. Mais aujourd'hui, après la fin de ce festival, après avoir vu toutes les manifestations qui se sont déroulées, vraiment, on est très content d'avoir réussi ce festival. Ces 3 jours rythmés d'échanges, de chants et de danse ont permis d'identifier les défis à relever pour mieux valoriser les cultures et valeurs propres au pays Basari. Nous sommes satisfaits. Compte tenu justement de la mobilisation que nous avons pu faire au niveau des communautés, sur le plan institutionnel, sur le plan au niveau des partenaires techniques et financiers, mais également aussi du point de vue des médias où nous avons réussi à mobiliser tout ce monde, mais également aussi surtout les communautés qui détiennent ce patrimoine, qui ont fait preuve de mobilisation, qui ont fait preuve d'engagement pour venir montrer ce qu'elles ont à travers les facettes culturelles, à travers les danses et les chants, mais également aussi l'exposition des objets d'art. Les défis à relever sont d'abord du point de vue organisation, mais également aussi la mobilisation. Voici les défis auxquels nous sommes confrontés par rapport à l'organisation du festival. L'AM est appelée à faire un plaidoyer fort pour une meilleure prise en charge des besoins prioritaires des communautés. Les défis à relever, c'est l'accès aux différentes localités. C'est des aspects quand même fondamentaux pour préserver leur culture, pour que ces ethnies puissent rester là où elles sont, parce qu'on sait que la plupart de ces ethnies sont sur des collines, donc, et dans ces zones-là, souvent il y a un problème sérieux d'accès à l'eau potable. Et donc on sait aussi que AM seul ne peut pas résoudre ce problème, c'est pourquoi AM doit avoir la capacité de mobiliser des ressources propres, mais aussi d'aller chercher des ressources, soit à travers les collectivités territoriales, soit à travers aussi d'autres partenaires nationaux ou internationaux. Tous les acteurs intervenant dans les secteurs culturels et touristiques sont invités à travailler sur les stratégies à définir pour allonger le séjour des touristes dans la région de Kédougou. Au niveau de la région orientale, je dirais de la région orientale du Sénégal, notamment Tambacounda et Kédougou, les séjours des touristes sont très
minime quand on voit que les séjours se limitent seulement à 2 à 3 jours. Et donc nous avons le défi maintenant de pouvoir retenir les touristes pendant 5, 6 jours, voire une semaine. L'élaboration de l'agenda culturel et touristique également aussi reste un défi. Cela doit commencer d'abord par un diagnostic au niveau communautaire et aller voir les populations, aller voir les potentialités que revoient la culture et le tourisme pour pouvoir aboutir à l'élaboration de l'agenda culturel. Pour relever ce défi lié à l'élaboration d'un agenda culturel régional, l'AM doit être au début et à la fin du processus avec l'accompagnement des services techniques. C'est à l'AM de nous aider à construire cet agenda culturel. Vous savez, l'agenda culturel sera l'émanation des populations. C'est-à-dire que si les gens ont des informations fiables, si ils ont des événements qui se passent à des dates fixes, à des moments fixes de l'année, répétitifs, qu'on puisse le savoir, et travailler surtout en collaboration avec le centre culturel, parce que quand même, c'est le centre culturel qui est maître d'œuvre de cela. Nous, on est à côté, mais on est prêt à accompagner le temps soit peu que nous connaissons pour pouvoir aider à mettre en place cet agenda culturel. L'AM doit se réjouir d'avoir à ses côtés quelques élus réceptifs et sensibles à sa cause. Je suis d'une ethnie minoritaire, je suis Dialonké. Donc l'AM étant aujourd'hui une association des minorités ethniques, donc je serai très sensible aujourd'hui de les accompagner, de relever ce défi. L'AM a besoin d'accompagnement de toute personne de bonne volonté, que ce soit les collectivités territoriales, les autorités administratives, les partenaires techniques et financiers. Donc l'AM a besoin du soutien de tout le monde pour qu'elle puisse vraiment se développer. L'association qui est là aujourd'hui ne doit pas se limiter seulement au spectacle, c'est-à-dire à la production de danse et consorts, mais l'AM doit être un levier de développement au niveau de la commune. L'AM doit être vraiment une attraction touristique pour la région de Kédougou. Donc quand on voit toutes ces raisons, nous avons vraiment cette obligation d'accompagner vraiment cette association pour qu'elle puisse être la vitrine de la région de Kédougou. L'association des minorités ethniques est en train d'amorcer des changements notoires pour le meilleur de la culture dans la région de Kédougou. Suite à la nouvelle stratégie, la gouvernance, où nous notons aujourd'hui 4 commissions, à savoir la commission finance, la commission culture, la commission organisation et la commission communication. Dans le cadre de la convention sur les pas des initiés, des ateliers aussi ont été programmés dans les communes où se trouvent ces communautés appartenant à AM. Donc ces ateliers, c'est toujours dans le cadre de renforcement de ces liens entre AM et les communautés. L'appel que je lance à nos communautés, c'est d'être beaucoup plus proches, de s'approprier d'abord de cette association afin de faire un levier de développement. De tous les acteurs qui tournent autour, notamment les élus locaux, en cherchant à les impliquer, qu'eux-mêmes qu'ils s'impliquent, pour que, parce que demain, on ne sait jamais, ça sera à leur profit aussi.